Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va regarder ce que proposent les principaux candidats sur la thématique de justice méga importante de l'évasion fiscale. Alors qu'est-ce que c'est ? L'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les budgets de l'État parce que des grandes fortunes ou des grandes entreprises l'ont planqué dans des pays étrangers. Ils l'ont planqué pour pas payer l'impôt en France. Et tout ce qui manque en impôts, ça représente des budgets colossaux. C'est tout le budget de la santé, plus du budget de l'éducation nationale, et ça représente 80 milliards plus que tout l'impôt sur le revenu collecté. Donc c'est des montants énormes que si on va pas les chercher, bah c'est nous qui allons les payer. On va les payer ou en augmentation d'impôts ou en casse de services publics, puisqu'il manque 80 milliards donc faut tout couper, ou en dette publique et déficit public. Donc c'est un enjeu méga important de justice. Et dans cette vidéo, on va voir quel candidat est du côté des tricheurs qui planquent leurs millions et qui ne l'est pas. Alors c'est très simple, il y en a trois catégories. Il y en a qui en ont rien à faire d'aller chercher ces 80 milliards qui manquent à notre budget. Il y en a qui sont incohérents. Ils proposent des trucs, ils affichent des belles choses sur leur site internet, mais ils savent très bien, et c'est pas un procès d'intention, vous allez le voir, ils savent très bien qu'ils n'auront pas les moyens d'aller récolter cet argent. Et il y en a enfin d'autres candidats qui, eux, proposent vraiment d'aller chercher ces 80 milliards que des tricheurs planquent loin de nos impôts. Bah d'abord, il y a François Fillon. Lui, c'est clair, il en a rien à foutre de ses 80 milliards. Alors, pendant toute sa carrière politique et même sa campagne aux primaires, il parlait de matraquage fiscal, mais il disait jamais que s'il y en a qui payent des impôts, c'est parce qu'il y en a plein qui les payent pas. Et jamais, à aucun moment, il a voulu chercher ses 80 milliards parce qu'il est clairement dans le camp des tricheurs. Ensuite, il y a Macron. Alors lui, il y a rien de sérieux dans son programme et c'est pas nous qui le disons. Hein. C'est un de ses représentants, le juge Alphen, qui est allé à une réunion organisée par plein d'associations, dont CCFD, Terre contre l'évasion fiscale, qui a déclaré, et c'est texto, il n'y a rien dans le programme d'Emmanuel Macron contre l'évasion fiscale. Donc le mec, c'est le candidat des classes moyennes, mais il en a rien à faire d'aller s'attaquer aux 80 milliards que planquent les tricheurs fiscaux. Chapeau. Ensuite, il y a les incohérents. Et la première des incohérentes, bah, c'est Marine Le Pen. Alors dans son programme économique, il y a un seul truc contre l'évasion fiscale. Ça s'appelle la taxe Google. Et la taxe Google, l'idée, en gros, c'est de taxer les multinationales qui mettent leurs profits à l'étranger. Et ça, le Parti Socialiste vient de voter cette loi dans la mandature précédente. Mais le Conseil constitutionnel l'a censurée. Et ça veut dire que le Conseil constitutionnel dit non à la loi. Elle peut pas avoir lieu parce qu'elle est contraire à la Constitution. Et ça, Marine Le Pen, comme elle a observé la politique, elle le sait très bien. Et dans son programme pour les présidentielles, elle ne propose pas de réformer la Constitution ou le Conseil constitutionnel qui empêche la taxe Google. Donc, la seule et unique mesure qu'elle prend pour rapatrier ces 80 milliards que planquent les tricheurs, et bien la seule mesure qu'elle prend, elle ne se donne pas les moyens de l'appliquer. Le deuxième incohérent, c'est Benoît Hamon. Alors lui, et c'est un scandale que tous les autres candidats ne proposent pas, il propose le fondamental. Le fondamental, la base, le minimum syndical pour récupérer de la thune, c'est d'augmenter les moyens de l'administration fiscale et du parquet financier. Bah, c'est des gens qui sont en sous-effectif, qui parfois ont des ordis qui déconnent, alors qu'ils rapportent des centaines de milliers, voire des millions d'euros à chaque affaire. Donc c'est la base d'augmenter leurs moyens, et ça, Benoît Hamon, il le fait. Par contre, les seuls trucs qu'il propose, c'est trois mesures. Sauter le verrou de Bercy, faire le reporting pays par pays et la taxe Google, et ces trois trucs ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Et très très récemment, pendant que Benoît Hamon était ou à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Donc il est très au courant de cette censure du Conseil constitutionnel. Et est-ce qu'il veut le réformer? Eh ben pas du tout. Donc on se demande pourquoi c'est encore dans son programme alors qu'il se donne pas les moyens de l'appliquer. Ça a l'air bizarre. Et nous, on a fait une vidéo très récemment sur le Conseil constitutionnel et son pouvoir de censure, et on a prêté à Benoît Hamon l'envie de changer le Conseil constitutionnel. Mais on s'est trompé. On s'est fait abuser par le journal du Monde qui, dans son comparateur de programme, prend encore le programme de la primaire socialiste de Benoît Hamon. Mais dès que Benoît Hamon a été investi par le parti, alors il a gommé tous les trucs contre le Conseil constitutionnel, et du coup il se condamne à avoir simplement des mots creux, des belles paroles d'affichage contre la fraude fiscale, mais rien de sérieux parce qu'il s'attaque pas au fond du problème, le Conseil constitutionnel. Enfin, il y a un candidat qui propose un programme cohérent pour aller chercher les 80 milliards qui nous manquent. C'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi c'est cohérent? Parce qu'avec son assemblée constituante, il propose de s'attaquer au verrou du Conseil constitutionnel qui empêche de réguler quoi que ce soit sur l'évasion fiscale. Alors qu'est-ce qu'il propose Mélenchon? Il propose d'abord évidemment d'augmenter les moyens de l'administration, mais il propose aussi toute une série de lois un peu les mêmes que Benoît Hamon pour aller chercher l'argent là où elle est, et des trucs en plus comme par exemple interdire aux banques françaises d'aller exercer dans les paradis fiscaux. Donc quand on regarde finement le programme des candidats, on est obligé de conclure que le seul qui a un programme sérieux pour aller chercher les 80 milliards
milliards qui nous manquent, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce que proposaient les candidats favoris. Mais là, vous voyez le compteur qu'il y a au-dessus de ma gueule. C'est un truc de dingue, c'est toute l'évasion fiscale qu'il y a eu depuis le début de cette vidéo. Donc ça monte méga vite et toute cette thune, c'est nous qui la perdons et qui allons devoir la compenser par nos impôts dans les budgets publics. Mais il y a un compteur qui fait encore plus mal. Ce compteur, c'est le compteur de l'évasion fiscale depuis le 1er janvier de cette année. Et ça, il y a CCFD Terre Solidaire qui l'a fait. C'est sur son site monparis2017.org et il vous permet de le partager sur Facebook ou sur Twitter. Parce que ce compteur, il représente toute la thune qu'on va devoir nous mettre au pot commun, qu'on va devoir nous payer par nos impôts ou payer par nos sacrifices de services publics parce que des gens trichent en planquant leur argent ailleurs. Donc c'est méga important de le faire tourner. Donc là, avec cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut lutter contre l'évasion fiscale. C'est pas qu'on sait pas faire, qu'il n'y a pas de recette, que c'est impossible. C'est qu'il y a des candidats qui n'ont pas de volonté politique de ramener ces milliards d'euros. Il y en a qui en ont rien à foutre ou qui se donnent pas les moyens des ambitions. Et donc du coup, nous, là, on voulait rendre très clair qui proposait quoi. Parce que c'est quand même 80 milliards qui nous passent sous le nez chaque année. Et donc c'est méga important pour faire notre choix à l'élection présidentielle. Donc on espère que le message est passé. On espère que vous allez le faire passer autour de vous parce que là, la montre tourne, le premier tour approche et nous, on sera toujours là pour continuer à décrypter. On vous dit ciao les copains. À bientôt.